Les services de secours et d'urgence de la ville libyenne de Koufra, dans l'extrême nord, récupèrent des corps sans vie et en état de décomposition avancée de 20 personnes. Elles seraient mortes de soif en plein désert libyen, près de la frontière avec le Tchad, après la panne de leur véhicule. Information publiée mercredi par les services de secours de cette région libyenne, une fournaise avec des températures estivales dépassant les 40 degrés Celsius. Le véhicule venait du Tchad et avait parcouru 120 km en territoire libyen, devenu une plaque tournante de l'immigration clandestine.